Louchez BM, et si tu veux, tu peux t'abonner. Et y'a les louchez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite actu. Le nouveau personnage qui va arriver du coup sur Smashing 4. Du coup, vu la couleur derrière, on peut penser à la reine un peu. La reine du dragon. Voilà, couleur violet, on dirait un peu un dragon dans le fond, si vous voulez, qui crache un peu. Bon, le bonhomme en lui-même, il est bizarre. Franchement, il est bizarre. Il y a plein de questions à se poser. On aurait l'impression, si vous voulez, qu'il y a un peu trois têtes, si vous voulez. On pourrait se dire à trois têtes. Du coup, il y en a qui ont pensé, je vous montre, à Smogogo. Il y en a qui ont pensé à Smogogo. Du coup, ils ont créé des dessins. Voilà. Ça pourrait être faisable, je sais pas. Smogogo, bref. Pourquoi pas? Pourquoi pas un bonhomme à trois têtes? Ou alors, il y en a qui parlent de poulet. Alors, je ne sais pas pourquoi ils parleraient de poulet. Après, les pieds, c'est vrai que ça fait un peu sandales. On pourrait dire des trucs chinois. On a l'impression qu'il a une genre de trompette dans la main, les gars. On pourrait penser aussi que c'est des grosses épaulettes. Qu'il y a des petits bitonios sur le côté, là, vous savez. Un peu les trucs rouges. Quel nouveau personnage peuvent nous faire? Telle est la question. Toujours, je pense qu'il y a deux cornes. Il y a alors, deux boss ici, au niveau du crâne. Après, là, avec l'effet, ouais, c'est bizarre. Je pense quand même que ça doit être... Ça doit être des épaulettes. Ça peut pas être une tête. Oh là, il y a un chapeau, là. Ah, vous voyez pas. Il y a un chapeau. Ah bah, pourquoi l'écran ne veut pas rester normal? Les gars, je ne peux pas expliquer pourquoi le zoom ne marche pas sur l'Elgato. C'est un truc de ouf. Je sais pas. Du coup, on va rester comme ça, mais ouais. Il y aurait un genre de pierre qui le suivrait derrière aussi. Ah, c'est bizarre, les gars. Voilà, c'est la petite info du jour. Je la balance. Voilà, vous êtes au courant, c'est sorti hier. Voilà, après, est-ce que... Voilà, ça va arriver prochainement, du coup, d'ici 15 jours. Nouveau personnage sur Smashing 4. On essaiera de le tester dès qu'il sortira. Sur ce, on se dit un petit ciao. Abonnez-vous, likez, pouce bleu. On suit l'actualité.